monde! Alors, en attendant ma prochaine vidéo qui va être un tutoriel maquillage d'été, je veux vous parler d'un produit que j'ai bien aimé et qui vaut la peine d'être mentionné dans une capsule produit. Et puis, je voulais vous dire merci parce qu'en fait, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce produit-là. Parce qu'en fait, dans ma dernière capsule produit que j'ai faite, ça parlait aussi d'une bébé crème. C'est tout simplement un addon. Mais bon, c'était sur la bébé crème de Marcel et vous m'avez toutes dit dans vos commentaires que celle de Herborian, c'était la meilleure au monde. Donc forcément, vous avez piqué ma curiosité et j'ai décidé de l'essayer. Donc aujourd'hui, c'est une petite revue pour vous donner mon avis et qu'est-ce que j'en pense. Donc le produit, la fameuse bébé crème dont je veux vous parler, ça se présente comme ceci. Vous voyez, ils ont gagné plusieurs prix pour cette crème-là et sûrement pour d'autres produits aussi. Et je sais qu'ils ont déposé des brevets pour leur façon de fabriquer leurs produits cosmétiques. En tout cas, donc oui, je vais vous faire juste la petite description caractéristique du produit et après on va passer à l'application, donc à la petite démo. Donc c'est ça, c'est Herborian, c'est une bébé crème au ginseng et c'est du ginseng coréen qui est vieux depuis 6 ans. Le ginseng, c'est sûr que c'est bon au niveau santé quand on en mange, mais c'est aussi bon pour la peau, ça a des bienfaits au niveau cosmétique. Donc le ginseng en cosmétique, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un anti-fatigue, antioxydant, c'est un tonifiant, un énergisant et j'en passe plusieurs autres. Donc ça relance la microcirculation, donc au niveau de votre peau, ce que ça peut faire, c'est un teint qui a plus d'éclat, autant à court terme qu'à long terme. Aussi, je tiens à dire en passant qu'Herborian, c'est la première marque de soins qui a introduit les herbes médicinales dans ses compositions. Donc, je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit en arrière, donc qu'est-ce que la crème vante comme mérite. Ça dit « unifie le teint pardon, et camoufle les imperfections, hydrate et nourrit, donne un effet peau de bébé au toucher parfait. » Et l'utilisation est conseillée en couche fine après ou sans votre crème de jour habituelle ou, ou on peut l'utiliser aussi comme base de maquillage. Pour cette crème-là, c'est un 45 ml et ça se vend sur Internet 32 €, qui correspond à peu près à 40 $ canadiens. Si vous êtes en Europe, vous allez la trouver dans plusieurs magasins ou pharmacies. Si vous êtes ailleurs, si vous n'êtes pas en Europe, si vous êtes au Québec comme moi, vous allez la trouver sur le site Internet, bien sûr, mais pas en pharmacie. Si c'est pas écrit les points de vente sur le site, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les contacter. C'est eux qui vont pouvoir vous répondre vraiment bien. Donc la bébé crème, elle existe seulement en deux couleurs. Par contre, vous avez l'original qui est comme la version claire, donc pour les peaux qui ressemblent à ma teinte. Si vous êtes vraiment un, deux, trois tons plus foncés que moi, je ne l'ai pas testé sur des gens plus foncés, mais j'ai un doute parce qu'elle est quand même assez claire. Elle fait un peu rose pâle aussi, donc j'ai peur que ça vire gris. Donc pour les gens qui sont plus foncés, il existe aussi en version dorée. Par contre, je dois vous dire que le doré est assez orangé. Moi, c'est ma seule petite déception. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu moins orangée. Je vais vous en sortir, vous allez voir. C'est vraiment un petit peu trop orange. Là. Moi, je peux pas la porter même bronzée. Je trouve qu'elle fait un peu trop orange sur moi. Donc, mais quand même, si vous avez la peau plus foncée, elle est quand même plus vers celle-là, c'est sûr. Alors, j'ai zoomé, c'est pas pour rien, on va passer à la démonstration. J'ai juste passé un petit peu de tonique sur mon visage pour enlever les restants de maquillage qu'il y aurait de ce matin. Donc moi, pour son utilisation, je l'ai testé vraiment pendant une semaine pour voir s'il y avait une différence au niveau de ma peau. Puis oui, je trouve que j'avais vraiment comme un plus beau teint, donc je vois l'effet à long terme comme je vous parlais tantôt. Donc c'est ça, c'est devenu dans le fond pas mal ma crème de jour à tous les jours. Mais je l'utilise aussi en contrat. Quand je fais des contrats de maquilleuse, ben, je l'utilise souvent. Un mannequin qui a une belle peau, j'y passe ça. Puis s'il y a besoin de plus de couvrance, je vais rajouter avec un fond de teint habituel. Pour moi, vous allez voir, la claire va me faire et peut-être une petite affaire plus pâle vu que là j'ai des restants du soleil. Ça paraît pas, là, j'ai pas l'air bronzée, mais je le suis quand même un peu. Donc vous voyez la couleur, c'est un petit peu plus rosé que ma peau. Mais je vous dirais qu'elles se font tellement bien que ça paraît pas. Donc, je vous montre à l'instant. Moi, je l'applique au doigt, évidemment, parce que c'est une crème. Quelqu'un qui voudrait avoir une meilleure couvrance, vous pouvez la tapoter avec un beauty blender. Donc, niveau de la texture, c'est vraiment, vraiment léger et transparent, comme je vous disais. Et sinon, l'odeur aussi, je la trouve agréable. Je trouve que ça sent juste frais. Des fois, ce que je fais quand je suis un petit peu plus bronzée, c'est que je vais mettre une petite goutte du doré dedans. Juste un peu. Donc ça, vous y allez selon le niveau de couvrance que vous avez besoin. Vous voyez que ça ne vient pas cacher mes taches de rousseur. Donc si vous avez des boutons, ça peut les cacher un peu, mais pas tant que ça. Parce que vous voyez, une tache de rousseur, c'est quand même brun roux, là. Puis ça n'arrive pas à le cacher. Donc si c'est un bouton rouge, peut-être que vous n'allez pas y arriver non plus. Donc vous avez
le résultat. Comme je dis, c'est hyper naturel. Là. Ça, c'est bon. Même un gars pourrait l'utiliser tellement que je trouve qu'elle se voit pas, elle se sent pas sur la peau. Alors maintenant, c'est la partie appréciation du produit. Je vais vous dire vraiment mon avis sincère. J'aime vraiment beaucoup son effet naturel, son effet bonne mine, son effet de luminosité. Je dois dire, aussi, vous avez remarqué, elle laisse pas un film gras sur la peau. Il y a quand même un FPS 25 dans la crème, mais on le sent pas du tout. Aussi, c'est ça, comme je dis, donc elle fait pas un effet luisant que souvent on retrouve dans les crèmes solaires. Mais carrément, elle fait un fini poudreux si vous regardez de proche. Donc pour une peau grasse, ça peut être bon parce qu'il y a vraiment un fini mat. Donc c'est ça, j'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, mon seul bémol, c'est que la dorée pour moi est trop orangée. Mais sinon, j'aime vraiment l'effet immédiat et aussi à long terme du produit. Et pour qui je recommanderais ce produit-là? En fait, vous allez voir, je l'aime tellement que je recommanderais à beaucoup, beaucoup de gens. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Même pour les peaux matures, il fait bien, il va pas rentrer dans les ridules, il va être super hydratant, puis l'effet anti-âge, anti-fatigue va être là aussi. Donc j'ai des photos à vous montrer de différentes personnes, différentes textures de peau sur qui je l'ai essayé. Sinon, vraiment, ça peut être toute peau, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux grasses, comme je vous ai dit, ça va pas être trop lourd, trop gras dans votre visage. Si vous avez de l'acné, si vous avez une acné sévère, vous n'allez pas réussir à la cacher avec ça, mais ça peut quand même cacher. Si vous avez quelques imperfections, ça va être parfait. Aussi, c'est bon pour les peaux sensibles. Je tiens à dire, c'est des herbes médicinales qui sont douces, donc il n'y a pas de problème pour les peaux sensibles. Et je le recommanderais aussi à quelqu'un, comme je disais tantôt, qui n'aime pas porter des crèmes solaires. Parce qu'avec ça dans le visage, vous êtes protégé, mais vous le sentez même pas. En passant, je tiens à dire, j'avais essayé aussi un autre produit tant qu'à y être, et c'est le BB Cream, mais en masque. Je trouve ça vraiment intéressant qu'une compagnie fasse ça. Vous avez les mêmes bienfaits, mais vraiment, la nuit, ça agit. Vous mettez une fine couche au coucher, sans votre crème habituelle, puis vous allez voir, le lendemain, ça vous redonne votre peau de jeunesse, votre peau de bébé. Ça, je l'ai essayé juste deux fois. J'ai apprécié l'effet hydratant, énergisant, mais comme c'est conseillé vraiment pour les périodes de surmenage, de grande fatigue. Et comme là, on est l'été, je suis assez détendue. J'ai pas vu de si grand contraste. Mais s'il y a des périodes de l'année ou des entre-saisons que je me sens plus fatiguée, je vais définitivement le réessayer pour voir la différence. Mais ça aussi, je l'ai essayé sur ma mère qui a 50 ans et plus. Et puis, elle a vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà, un bon cadeau peut-être à faire pour la fête des mères, par exemple. Alors, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller sur leur site internet. Vous allez voir, ils ont beaucoup, beaucoup d'autres produits, plein de bons anti-âges naturels si ça vous intéresse. Alors voilà, j'espère que je vous ai fait connaître un produit intéressant. Donc au plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Je vais vous sortir le tutoriel maquillage de Blake Lively très bientôt. Donc merci les filles de me suivre. Bye bye!